Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le but informatique et plus spécifiquement sur le département d'informatique à l'UT Nice-Côte d'Azur, nous sommes quatre enseignants du département et nous allons essayer de vous donner un peu plus d'informations. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ce soit un échange, même si nous aurions nettement tous préféré un échange en direct, mais surtout, n'hésitez pas à chatter, à nous envoyer des questions et nous ferons au mieux pour y répondre et en particulier y répondre à l'oral. Et nous aurions bien aimé que vous puissiez vous exprimer. Bon, on fera pour le mieux. Un autre point, à la fin de cette présentation, si des étudiants actuellement, donc qui font actuellement leurs études, sont intéressés par les licences professionnelles en informatique, nous en parlerons un petit peu pour répondre aussi à vos questions en direct. Et nous avons parmi nous un des représentants de la licence informatique, une des licences informatiques de notre département sur Nice. Donc, d'abord, le positionnement du but dans le paysage après votre bac. Vous venez d'avoir le bac. Alors, soit vous pouvez faire un BTS et ça va se faire au sein d'un lycée, soit vous allez faire le but qui va se passer à l'université, hein, dans un IUT à l'université. Vous pourrez également faire la faculté, l'université, mais ça, à ce moment-là, en licence simple. Puis les écoles, prépa intégrée ou les prépa intégrées comme Polytech et sinon les classes prépa. Donc nous, aujourd'hui, nous allons vous parler du but sur 3 ans, sachant que c'est une passerelle vers les entreprises, bien évidemment. Nous sommes une formation professionnalisante, mais également vers des poursuites d'études en master, en école d'ingénieur ou aux grandes écoles. Donc, on va essayer de vous en dire un tout petit peu plus sur le but maintenant. Ce que j'ai commencé à vous dire, hein, c'est qu'actuellement, le but dont peut-être vous avez déjà entendu parler, le DUT, pardon, vous avez entendu parler jusqu'à cette année, en fin de deuxième année, les étudiants sortants peuvent aller en licence professionnelle ou rejoindre les écoles d'ingénieurs, les licences, etc. Eh bien, le but, lui, va se faire sur 3 ans, mais en sortie de but deuxième année. Pour l'instant, de ce que nous savons, vous pourrez rejoindre les écoles d'ingénieurs, les licences, le monde professionnel. Peut-être pas, peut-être que vous ne chercherez pas à ce moment-là à le rejoindre. Vous continuerez au niveau du but 3 et il est possible qu'au niveau du but 3, il y ait des entrées de BTS. Là, c'est des points qui sont encore en discussion au niveau national. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement du. Donc, c'est en même temps l'IUT, le département d'informatique et l'IUT sur Nice. Donc actuellement sur Nice, l'équipe enseignante, c'est une équipe qui est composée d'enseignants, chercheurs, de professionnels, d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on a un noyau, une équipe qui est pédagogique, qui est très proche de vous quand même, qui connaît bien ses étudiants. Et en même temps, on a énormément d'intervenants, surtout d'ailleurs dans les dernières années où on fait intervenir beaucoup de professionnels. Le but se trouve sur deux campus, le campus de Nice et le campus de Sophia Antipolis, avec 4 formations. Donc, la formation traditionnelle se trouve sur Nice, la formation en alternance pour le but va se trouver, elle, sur Sophia Antipolis, de même que les licences professionnelles sont aujourd'hui sur Sophia Antipolis. Nous avons des groupes de TD qui sont de taille d'environ 20 étudiants, entre 18 et 20 étudiants. Donc, vous voyez, c'est des petits groupes pour travailler. C'est quand même plus facile de travailler en petits groupes. Et nos formations font entre 20 et 100 étudiants. La plus grande formation d'environ 100 étudiants est celle des étudiants en traditionnel. Donc, pour vous, ça sera le but première année. Alors, nous avons à l'IUT de Nice, deux possibilités de suivre le but, soit dans un cursus traditionnel, soit dans un cursus en alternance. En formation traditionnelle, il faut compter environ 400 heures de cours par an et 1600 heures de TD, TP encadrés, 600 heures de travail en groupe sur des projets. Donc, tout ça est en cours de définition, mais l'approche projet est très très forte dans les IUT et
pas spécifiquement en informatique, où on a besoin d'apprendre à travailler ensemble et sera probablement encore renforcée avec le but. Et bien sûr, des périodes de stage en deuxième et en troisième année qui vont se passer en entreprise. De la même manière, vous allez avoir la formation en apprentissage. Peut-être que Olivier, tu veux prendre la parole pour leur en dire un petit peu plus. Oui, je m'appelle Olivier Pantz, donc je suis responsable du DUT en alternance, enfin du coup du but en alternance maintenant, excusez-moi, maintenant que ça a changé de dénomination. L'alternance, on a un groupe d'alternance tous les ans qui est l'alternance est localisée sur Sofia, alors que le but traditionnel est pour le moment encore toujours localisé sur Nice, au niveau du Fabron. Le groupe en question, donc c'est un petit groupe qui compte entre, ça dépend des années, mais ça tourne en général plutôt autour d'une quinzaine d'étudiants. Et on suit le même programme que le programme de but traditionnel, le principe étant que vous êtes en entreprise une semaine sur deux. Vous passez une semaine en entreprise, suivie d'une semaine de cours à l'IUT, et ainsi vous alternez. Voilà, un des avantages, c'est que vous avez un contact direct avec le monde de l'entreprise, vous participez au développement d'un projet au sein de votre entreprise, ce qui est assez valorisant. Ça vous permet de mettre en application ce que vous apprenez à l'IUT, puis aussi d'apprendre certaines choses et aussi d'aller plus dans le détail sur certains aspects propres à votre mission dans votre entreprise. Le deuxième avantage, c'est évidemment que vous avez une gratification ou une rémunération hein, qui peut aller entre, comme c'est indiqué sur transparent, entre 27 et 100% du SMIC. Ça dépend de l'année d'études, si vous êtes en première ou en deuxième année, et après en troisième année, et de votre âge également. Voilà, je n'ai pas trop d'autres choses à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion. Et on essaiera d'y répondre probablement à la fin de la présentation de Madame On va Deux. essayer tout de suite. Il y a peut-être des questions que tu peux répondre tout de suite, Olivier. Donc, il y a des questions par rapport aux entreprises. Est-ce que l'UT a trouvé des entreprises? Est-ce que je n'ai pas vu L'UT, la question. pardon, aide à trouver des entreprises. Oui, alors au sujet de la recherche d'entreprise, comment ça se passe? Donc, si vous êtes intéressé par le cursus en alternance, évidemment, la première chose qu'il faut faire, dont il faut se préoccuper, c'est de trouver un contrat avec une entreprise. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans le cursus en alternance si vous n'avez pas un contrat avec une entreprise prête à vous prendre comme apprenti. Donc évidemment, là, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez probablement pas de contact avec d'entreprise et donc pas de promesse d'embauche en tant qu'apprenti. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'une part postuler sur Parcoursup en choisissant la formation par alternance, mais aussi en choisissant des formations traditionnelles, donc non par alternance, notamment par exemple quelque chose de classique, c'est de choisir à la fois sur Parcoursup le but traditionnel et le but en alternance. D'accord? Ensuite, on étudie vos dossiers, que ce soit que vous ayez postulé par la formation traditionnelle ou la formation en alternance. Et vous avez des réponses, vous êtes soit accepté, soit pas accepté, selon les formations. Le processus de sélection est quasiment similaire dans les deux cas. Monsieur Pourcelot pourra plus vous en parler que moi. Et ensuite, une fois qu'on vous a accepté sur votre dossier académique, on va vous aider à trouver une entreprise. Donc ça, c'est le rôle du service relations entreprises hein, qui s'occupe de vous accompagner dans la recherche d'entreprise. Elle va vous mettre en contact avec des entreprises, elle va vous aider, ils vont vous aider à rédiger votre CV et donc dans vos recherches. Cela ne vous empêche pas de chercher par vous-même des entreprises et c'est même fortement conseillé. Et si vous avez des contacts déjà avec des entreprises qui seraient intéressées par votre candidature, il faut bien sûr l'indiquer dans votre dossier Parcoursup. Voilà. Ensuite, si vous signez un contrat ou une promesse d'embauche avant la rentrée universitaire, eh bien, vous intégrez le but formation en alternance. Et sinon, vous intégrez une formation plus traditionnelle. Okay. C'est vraiment important le jour de la rentrée.
d'avoir soit un contrat signé, soit, on peut repousser de quelques semaines l'inscription officielle, hein, voire même un peu plus. Mais il faut qu'on ait au moins une promesse d'embauche, qu'on soit sûr de pouvoir finaliser les papiers assez rapidement. J'espère que j'ai été assez clair. Une autre question qui a été posée sur le chat, c'est supposons donc que la personne n'arrive pas à trouver une entreprise et donc soit, se redirige finalement vers un cursus traditionnel. Est-ce qu'il y a possibilité ensuite, en deuxième année, de rejoindre la Oui, alors il y a toujours des passerelles entre la formation traditionnelle et la formation d'alternance. Et évidemment, vous pouvez faire une année en formation traditionnelle, même voire un semestre en formation traditionnelle, et après passer en formation en alternance. Okay. Il y a quelques années, on vous a également proposé aussi le choix inverse, c'est-à-dire vous commenciez en alternance, même si vous n'aviez pas de contrat, puis après vous reveniez en formation traditionnelle. C'est une formule qui ne marche pas très bien. Par contre, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus simple. Okay. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise, justement, c'est pour ça qu'il faut vous inscrire également en formation traditionnelle. Le jour de la rentrée, vous allez en formation traditionnelle, vous pouvez continuer votre recherche d'entreprise. Et même au second semestre, si vous avez trouvé une entreprise au cours du premier semestre, vous pouvez basculer en formation en alternance pourvu qu'il reste de la place. Mais en général, il reste toujours de la place pour vous accueillir. Alors, quels sont sur Nice, nous allons ouvrir un parcours en troisième année, le DUT informatique, le BUT informatique offre une spécialisation en troisième année. Et sur Nice, nous avons une spécialisation conception, développement, validation qui va donc, vous allez trouver les aspects développement, bien évidemment, hein, c'est le cœur de notre métier, avec en particulier des spécialités que nous avons l'habitude d'enseigner, c'est le système embarqué, le web, les applications mobiles, l'internet des objets. Vous allez aussi apprendre à administrer, vous intéresser à l'architecture réseau, sécuriser les services et les données d'un système, optimiser, on va toucher aux algorithmes avancés, on va toucher à l'intelligence artificielle. C'est les briques de base dont vous avez besoin si demain vous voulez vous orienter vers ces spécificités-là. Tout ce qui va être gestion des données et on intègre aussi l'aspect grosse quantité de données, la conduite de projet, et évidemment la construction, le parcours personnel, l'entrepreneuriat sont des informations qui vous seront données. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire pour améliorer le son. C'est une formation universitaire professionnalisante. Quand vous allez vous inscrire, à l'université. Nous dépendons de l'université. Pour cela, vous allez avoir des enseignants qui vont vous apporter non seulement les aspects professionnalisants techniques, mais aussi les bases, les concepts dont vous avez besoin pour votre poursuite d'études et pour aussi apprendre un métier qui est tout le temps en évolution. Hein. C'est un très, très beau métier, mais qui évolue beaucoup, qui va vous amener à rencontrer des gens de différents domaines, dans différentes disciplines, d'où l'importance du côté pluridisciplinaire de la formation et aussi notre travail pour vous apprendre à travailler avec d'autres. Et donc, des méthodologies de travail, en particulier sur Nice, nous nous intéressons beaucoup aux méthodes agiles. Nous avons beaucoup d'interventions des professionnels avec qui nous travaillons, en particulier avec des intervenants qui nous viennent des grandes entreprises du bassin sociopolitain. Et effectivement, je lis en même temps que je regarde mes slides le fait que, évidemment, les entreprises apprécient beaucoup nos étudiants sortant aujourd'hui de DUT. Nous espérons bien que ce sera la même chose avec nos BUT. Et les formations de France en alternance qui ouvrent en alternance apprécient aussi également de recruter nos étudiants parce que les entreprises sont friandes de ce type de compétences. Alors, comment vous venez chez nous? Pour venir chez nous, d'abord, il faut passer par Parcoursup. Dans tous les cas, vous devez passer par Parcoursup pour rentrer au but informatique. Pour cela, on va regarder si vous avez un bac général, plus spécifiquement la partie informatique et mathématiques, de même que
Si vous avez un bac STI 2D, on va préférer l'option informatique. Là aussi, nous regarderons les aspects maths et informatique, évidemment. Et puis, il est possible de venir de nous rejoindre si vous avez eu d'autres formations, mais là, c'est un peu plus difficile de donner les éléments maintenant, puisqu'il y a énormément de formations possibles. Nous regardons donc vos notes, vos bulletins, et c'est avec cela qu'on va vous classer et vous accepter ou non dans la formation BUT en informatique. Nous avons environ 70% de réussite, donc c'est important pour nous de bien recruter. On ne veut pas recruter des étudiants qui n'y arriveraient pas, c'est un de nos objectifs aussi, hein. C'est de vous aider, de recruter des personnes qui vont réussir, avec qui on va donner les moyens de réussir et avec qui on va pouvoir travailler. Donc, si vous n'êtes pas pris, ce n'est pas super grave, il y a d'autres formations possibles. Et si vous êtes pris, ben, on fera de notre mieux pour vous aider à réussir. Nicolas, il y a d'autres questions? Il y a des questions qui ont été posées concernant les connaissances préalables. Est-ce qu'il y a des manières de se préparer au BUT Info? Est-ce qu'il faut déjà avoir fait du codage avant? Voilà, des choses comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais attendu des étudiants qu'ils aient appris à coder avant de venir chez nous. On se chargeait de leur formation. C'est vrai que vous êtes avec un nouveau bac et de nouvelles options. On n'a pas encore une vision bien claire de comment on va réagir, mais dans tous les cas, c'est nous qui nous adapterons au mieux pour que les étudiants réussissent dans nos formations. Et évidemment, même s'ils n'ont pas fait d'informatique. J'espère que je réponds à la question. Dans notre formation, alors bien sûr, sauf ces 2 dernières années, hein, sauf l'année dernière et probablement cette année, par le passé, nos étudiants, beaucoup de nos étudiants font soit un semestre, donc là on a entre 5 et 6 étudiants tous les ans qui font un semestre, en particulier au Canada, avec qui on avait des accords, hein, et sinon des stages à l'étranger qui sont assez fréquents. En particulier parce que nous avons des accords avec un campus plus particulier au Vietnam, à Da Nang. Nous envoyons nos étudiants à l'étranger tous les ans pour des stages. Donc, c'est notre département, environ bon, 10 à 20% de la promotion qui va partir au minimum faire son stage à l'étranger. Alors, les poursuites d'études. Donc là, nous nous basons sur ce que nous avons aujourd'hui, bien évidemment. Aujourd'hui, nos étudiants vont rejoindre des écoles d'ingénieurs comme l'ANSIMAG. Nous en avons 2, 3 par an qui rejoignent l'ANSIMAG. L'INSA, pareil, hein, 3, 4 par an qui rejoignent l'INSA. Mais il y a aussi d'autres grandes écoles comme l'ANSET. Cette année, je crois qu'on avait un étudiant qui est parti à l'ANSET. J'ai vu qu'il y avait dans les questions des étudiants qui se posaient des questions sur la cybersécurité. Je ne sais plus le nom, mais il y a une école du côté de Vannes qui est spécialisée en cybersécurité. Je crois que l'année dernière, nous avons 2 étudiants qui sont partis dans cette école-là. Sinon, nos étudiants vont rejoindre des licences et masters informatiques, vous voyez, dans une proportion plus faible. Bien évidemment, il y a des étudiants qui se réorientent vers des écoles privées, des écoles à l'étranger. Nous avons beaucoup d'étudiants qui vont rejoindre la MIAJ. Je pense que dans les licences et masters informatiques, il y avait. Ah non, d'accord. J'ai mal tourné autour. Donc, évidemment, il y a des licences professionnelles. Alors, ces licences professionnelles, on va vous en parler juste après si vous êtes intéressés. D'ailleurs, si dans le chat, des étudiants sont intéressés, ça serait bien qu'ils se manifestent. Ça nous motiverait pour en parler davantage. Et évidemment, nous avons beaucoup d'étudiants qui vont à Polytech Nice. Entre autres, hein, bien sûr, il y en a qui vont ailleurs, mais parce que nous avons des accords, nous nous connaissons bien et nos étudiants sont très appréciés par Polytechnis. Donc, il y a pas mal de poursuites d'études en MIAJ et à Polytech, comme vous le voyez là. Voilà, donc je pense que c'est la fin de ma présentation. Est-ce que vous. S'il n'y a pas plus de questions, a priori, on me fait signe que non. Je passe la parole à Madame Agnès Peraldi pour vous parler des licences professionnelles. Je quitte le partage d'écran, je te passe le partage d'écran, Marie-Agnès.
Voilà, je suis Marie-Agnès Peraldi et je suis enseignante au département informatique. Et je vais vous présenter les licences professionnelles que l'on conduit avec mon collègue Léo Donati, qui n'est pas là. Voilà, donc au département informatique, on a deux licences professionnelles sur les métiers de l'informatique avec deux spécialités, une autour de l'Internet des objets, les systèmes d'information et les données, et une autre autour du développement d'applications mobiles, donc, qui est la licence DAM. Donc, vous pourrez trouver des informations sur ces licences. Alors, quels sont les objectifs de ces deux licences? Donc, l'objectif d'une ELP, c'est de se spécialiser après un bac plus 2 dans un domaine de l'informatique. Et alors, nous, les deux domaines que l'on vise, hein, qui sont des domaines qui sont très évolutifs parce que les ELP ont pour vocation d'être très proches des besoins des entreprises à un instant T. Et là, à l'instant T, je dirais, les deux grands domaines dans lesquels il y a du travail et il y a beaucoup de demandes d'entreprises, c'est soit le domaine de l'IoT avec tout ce qui est développement, intégration de systèmes autour des applications de l'Internet des objets, de la data, etc. C'est un des grands domaines. Et il y a un deuxième domaine aussi sur lequel on est spécialisé au département informatique, c'est le développement mobile. Donc, nous avons deux licences autour de ce sujet. Alors, quelle est la caractéristique de cette LP, de ces deux LP? C'est que c'est très professionnalisant comme LP. Donc, vous faites ça en alternance ou en contrat pro, ou en formation continue. Donc, bien entendu, pour les intégrer, il faut un bac plus 2, doit soit BTS, soit un DUT dans des domaines très différents. Et c'est en professionnalisation parce qu'il y a des partenariats forts qui sont faits avec les industriels et les entreprises, en particulier du bassin Sophiapolitain et du bassin niçois. Donc, la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'il y a une intégration directe des étudiants à l'issue de ces deux LP dans le monde de l'entreprise, puisqu'on a, on mène des études chaque année, on se rend compte que nos étudiants sont actuellement, pour des études de 2018, il y a 100% des étudiants de LP qui ont obtenu leur LP et qui sont en emploi. L'encadrement de ces licences, elle est faite par soit des universitaires, donc informaticiens essentiellement, qui travaillent à la fois en enseignement et en recherche aussi dans ces domaines. C'est ce qui fait aussi le plus de l'IUT par rapport à d'autres formations. Et puis, bien entendu, il y a des professionnels qui sont directement du métier, qui interviennent dans nos formations. Alors, parlons un peu de la licence de développement d'applications mobiles. Bon, ce titre est un peu compliqué, mais en gros, ce que cet acronyme veut dire, c'est que l'objectif de cette licence, c'est de se spécialiser par rapport en ayant un but ou un BTS, de se spécialiser sur tout ce qui est conception, développement et test de logiciels pour de l'embarquer sur du mobile. Donc là, je vous ai mis les compétences, enfin, ce n'est pas vraiment les compétences, c'est plutôt les UE, les enseignements que vous allez avoir dans cette formation. Mais en gros, on voit donc tout ce qui est autour de l'IHM, les conceptions d'interface dédiées aux applications mobiles. Vous allez avoir, bien entendu, de la programmation. On va partir des bases qui n'en seront pas vraiment pour vous, mais on va faire de la programmation avancée par rapport à vos acquis et aux compétences que vous avez acquises pendant votre BTS ou votre DUT. Et puis, on va faire la grosse partie, c'est vraiment tout ce qui est développement natif pour les systèmes de support mobile, Android, Apple, Microsoft, et toutes les technologies qui sont mises en place autour des applications mobiles pour déployer des systèmes de géolocalisation, de cartographie, etc. C'est ce qui sont tous les besoins associés au développement mobile. Par ailleurs, il y a cette deuxième formation qui est donc autour des systèmes d'information, de la gestion des données. Et qui produit des données? Mais souvent, c'est des objets. L'Internet des objets, c'est ça, hein, c'est la capacité d'objets à fournir de la donnée. Et derrière, bien, cette donnée, il faut la traiter. Donc, quelles sont les compétences et les enseignements de cette formation, sans aller dans le détail? Donc, c'est une formation où on fait moins de développement
que en développement mobile. C'est plus de l'intégration de systèmes, de solutions que l'on fait. Donc, ça veut dire que des étudiants qui auraient des BTS autour même de réseaux, etc., pourraient intégrer cette formation et auront le plus de programmation qui manque aux formations autour du réseau. Donc, comme on a besoin des deux, en fait, on a besoin à la fois de programmation et à la fois de cet aspect réseau, communication entre les objets, etc. Voilà, on donne le complément à nos étudiants. Et donc, il y a pas mal d'aspects sécurité des données parce que dans l'IoT, l'IoT fait partie des failles en termes de sécurité pour les systèmes d'information. Donc, on voit beaucoup d'aspects sur la sécurisation des données, la sécurité sur le web, la sécurité des objets. Il y a une grosse partie aussi gestion des données, gestion des objets communicants et application des standards et développement de web services. Donc, tout ça, c'est spécifiquement autour des objets. Les métiers, rapidement, je vais parler des métiers. Alors, les métiers de DAM, c'est développeur. Développeur dans différents domaines, full stack, ou développeurs back-end ou front-end, des développeurs iOS, des développeurs Android, voilà, donc tout ce qui est, voilà. Si vous aimez le développement, c'est vraiment un plus que vous aurez avec la licence DAM d'apprendre toutes les technologies et tous les supports pour développer pour de mobile. Pour l'IoT, comme je le disais, ce n'est pas vraiment le développement, l'objectif de la formation, c'est d'architecturer des systèmes d'information à partir de solutions existantes et d'être capable d'identifier les solutions, de les mettre ensemble pour former un système d'information autour de l'IoT ou autour du web. Tout dépend de là où vous vous positionnez. Voilà, donc c'est architecte, administrateur de base de données, intégrateur de base de données, intégrateur web, etc. Développeur ou plus spécifiquement développement d'applications sur des plateformes d'IoT comme Fireware ou OneM2M, etc. Voilà sur les métiers, les compétences des deux formations. Je ne vais pas en dire plus. Vous avez ici les contacts et le recrutement. Eh bien, le recrutement ne se fait pas sur Parcoursup, il se fait sur e-candidat et vous aurez accès à e-candidat sur la plateforme de l'IUT, sur le site web de l'IUT. Voilà pour la partie LP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interroger ou à nous contacter même plus tard sur la plateforme des JPO. On vous répondra avec plaisir. Les LP, il y a une question par rapport au BUT. Est-ce que les LP font partie du BUT ? Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Pour l'instant, pour cette année, pour les deux ans qui arrivent, les LP vont continuer d'exister puisqu'il va falloir deux ans pour que les étudiants de deuxième année de BUT arrivent en troisième année. Et en troisième année, il y aura la troisième année du BUT qui va, je pense, remplacer les licences à terme et pour lesquelles nous avons fait des choix sur les objectifs de cette troisième année. Enfin, c'est en cours de définition, on va dire. Mais il est clair qu'on sera toujours dans le modèle de développement. Cet aspect IoT est important et le restera, je pense. Donc, voilà. Donc, pour deux ans encore, il y a les LP. Et ensuite, on passera certainement à la troisième année du BUT. Des questions aussi par rapport à les étudiants, les élèves qui veulent intégrer une école d'ingénieur, qui se demandent si le BUT est une bonne stratégie pour intégrer une école d'ingénieur. Est-ce qu'il y a des places réservées à Polytech? Voilà. Je pense que Mireille peut répondre aussi, mais on a toujours eu beaucoup d'étudiants qui vont à Polytech et dans le cadre du BUT, effectivement, il est prévu, et j'espère que ça sera maintenu, il est prévu qu'après la deuxième année de DUT, on puisse intégrer Polytech. Mireille, tu es plus à même de parler du BUT, mais voilà, c'était ça l'idée. Je pense qu'on continuera à avoir des relations entre les étudiants entre le DUT et Polytech. Donc, nous n'avons pas de place réservée à Polytech, mais alors je n'ai pas les chiffres des dernières années, mais je pense qu'on a bien une dizaine d'étudiants qui rentrent tous les ans à Polytech. Ils ont offert l'année dernière une formation en alternance dès la première année
qui a recruté beaucoup de nos étudiants d'IUT en particulier. Est-ce qu'il vaut mieux faire une prépa, par exemple, ou un BUT? C'est, je pense que la question est là. Moi ce que je ne sais pas répondre dans l'absolu à cette question. Si vous êtes absolument certain de vouloir faire de l'informatique, alors il faut vous poser la question, ça vaut le coup de faire un BUT parce que vous allez être plus dans votre domaine. Vous allez vraiment faire des choses que vous aimez plus et vous serez plus proche de ça. Mais si maintenant vous êtes vraiment très bon et que vous avez des hésitations sur votre poursuite d'études, alors n'hésitez pas, faites une prépa parce que la prépa va vous ouvrir à beaucoup plus de métiers et peut-être que vous rejoindrez l'informatique. Toutes nos formations, toutes les formations de l'université et même des écoles, des prépas, etc. sont complémentaires. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient le mieux. Mais voilà, ça c'est un avis personnel sur la formation. Mais comme l'a dit Marie-Agnès, beaucoup de débouchés, beaucoup d'étudiants vont rejoindre des écoles comme l'INSA, par exemple, l'INSIMAG, etc. Peut-être que si vous passez par une prépa, vous ne les rejoindrez pas. Merci. J'ai une question pour Olivier sur l'alternance. Est-ce que le Covid a un impact? Est-ce qu'il y a des difficultés suite au Covid à trouver une entreprise? Alors j'ai répondu dans les commentaires. En fait, donc cette année, par exemple, on a la plus grosse promotion qu'on ait jamais eue d'alternants, puisqu'on a une promotion exceptionnelle de 23 alternants contre, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt de l'ordre d'une quinzaine. Donc, en fait, on a plus d'étudiants en période de Covid qu'en période normale. Alors, il faut quand même savoir, donc ça, c'est bien le signe que ce n'est pas impossible, loin de là, de trouver un contrat d'apprentissage dans cette période un petit peu difficile. Ceci dit, le fait qu'on ait eu beaucoup d'étudiants cette année est probablement en partie associé au fait qu'il y a eu des aides gouvernementales spécifiques qui ont été débloquées pour cette période de Covid. Donc, il y a eu un plan de relance de l'apprentissage qui a été mis en place pour la rentrée 2020 et début 2021. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il va être renouvelé ou bien et s'il est renouvelé sous quelle forme. Et il est possible qu'effectivement, le nombre d'offres qu'on reçoive dépende un petit peu du renouvellement ou non de ce plan d'action. Donc, ce n'est pas impossible, clairement, d'obtenir des contrats d'apprentissage en entreprise en période de Covid, particulièrement en informatique, où finalement, on a besoin de plus d'informaticiens pour organiser tout ce qui est travail à distance, etc. Donc, pour nous, à la limite, c'est presque bien. Ensuite, est-ce que ce sera facile ou pas? Je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là. Ça va dépendre du fait de savoir si oui ou non le plan de relance qui avait été mis en place par le gouvernement l'année dernière va être ou non reconnu. Voilà. Merci. Alors, il y a des questions qui rebondissent donc, sur ce qui est expliqué, hein, sur les possibilités de passerelle vers les écoles d'ingénieurs. Hein, c'est vrai que le BUT est en 3 ans. A priori, on se dirige vers une possibilité de rejoindre une école d'ingénieur au bout de 2 ans. Donc, c'est déjà acté pour Polytech. Pour les autres écoles d'ingénieurs, si on n'a pas encore il y a plus d'informations que moi, on n'a pas encore d'informations officielles. Mais a priori, c'est ce qui est prévu. Voilà. Hein, qu'on puisse rejoindre en fin de deuxième année une école d'ingénieur, comme on fait actuellement en fin de DUT. Donc, ça ne ferait pas d'année de perdu. Voilà. Mireille, tu veux rajouter quelque chose? Non, on ne peut que dire ce que nous on voit. On n'a pas d'éléments plus tangibles que ça, mais les écoles d'ingénieurs, a priori, sont prêtes à recruter au niveau des IUT d'informatique, des buts informatiques, hein, parce qu'en fait, le passage à 3 années, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, va vraiment regrouper beaucoup d'heures d'enseignement dans les 2 premières années et la 3e année est très orientée pratique professionnelle, etc. Et ça peut du coup bien s'adapter à un recrutement d'école d'ingénieurs. Par contre, nous ne sommes pas école d'ingénieurs, nous ne pouvons pas nous engager à la place des écoles d'ingénieurs. Mais nous avons discuté avec le département informatique de Polytech qui
a priori, en fonction des éléments que nous avions et des enseignements qui sont prévus, penser continuer à recruter avec un BUT à but 2 et pas à but 3. Une question aussi sur les langages de programmation qui sont abordés en BUT. Alors là, ça va dépendre des établissements, hein, parce qu'il n'y a pas de, on ne nous impose pas le langage de programmation dans nos programmes officiels. Je pense que ça va en plus dépendre des programmes qui sont en cours d'écriture. Donc nous allons, je crois que Pauline a très bien répondu. Nous allons avoir aussi bien du Java qui pour apprendre la structuration, la programmation structurée et par objet, et aussi du PHP, tout ce qui va être langage autour du web. Et puis actuellement, comme Madame Perelli vous l'a dit, en licence professionnelle, on a les langages qui sont plus dédiés aux applications mobiles, etc., avec des environnements dédiés. Et nos enseignements, on est en informatique, changent, hein, évidemment, ils changent souvent. Après, c'est des questions plus, je pense, pour moi, c'est concernant le recrutement, les critères de recrutement. Donc, les principaux critères, on en a déjà un peu parlé, hein, c'est les mathématiques, l'option NSI, c'est-à-dire l'option informatique, hein, la spécialité plutôt informatique, hein, pour ceux qui suivront la spécialité. Et ensuite, c'est des éléments annexes, comme par exemple, qui ont leur importance, hein, le bulletin scolaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si dans le bulletin on voit élève travailleur, au contraire, manque de motivation, bavardage, hein, ça ne fera pas du tout la même impression. Donc ça, c'est aussi un élément important. Ce que vous pouvez aussi rajouter, hein, il y en a qui se posent la question de comment valoriser leur candidature. Si vous avez fait des projets annexes, hein, si vous faites déjà de l'informatique pour vous, pour votre plaisir, si vous avez un site web, vous pouvez mettre dans votre lettre de motivation. N'hésitez pas à personnaliser votre lettre de motivation en expliquant pourquoi, par exemple, vous n'avez pas pu faire l'option informatique. Hein, s'il n'y avait pas l'option, l'activité informatique n'était pas présente dans votre lycée, n'hésitez pas à expliquer. Hein. Ou expliquer que vous faites de l'informatique par ailleurs et mettre un lien sur vos projets éventuels. Hein. Voilà, donc on m'a demandé est-ce que la participation au JPO sera valorisée. Le problème, c'est que cette année, on ne sait pas qui participe au JPO. Hein, donc c'est plutôt en valorisant, en personnalisant votre CV, hein, votre lettre de motivation, hein, vous pouvez indiquer que dans votre lettre de motivation, vous avez participé au JPO à Nice. Hein. Les éléments qui nous intéressent aussi, c'est de savoir si vous êtes vraiment intéressé par notre formation. Parce qu'on a beaucoup de candidats qui postulent et puis qui postulent par ailleurs à plein d'autres choses. Donc, tous les éléments aussi qui nous permettent de savoir que vous êtes vraiment intéressé par le bulletin informatique, que vous savez ce que c'est qu'un bulletin et que vous êtes vraiment intéressé par Nice. Vous n'êtes pas candidaté à tous les IUT de France. Ça, c'est des éléments qui m'intéressent. Donc, n'hésitez pas, dans la lettre de motivation, hein, à expliquer pourquoi Nice vous intéresse et pourquoi vous voulez faire spécifiquement un BUT informatique et pas une prépa ou autre chose. Voilà, et concernant le niveau mathématique, le niveau attendu, c'est un niveau moyen, hein, non pas un niveau excellent. On n'est pas une prépa. On demande quand même d'avoir suivi des mathématiques. Hein. C'est vrai que maintenant, on risque de se retrouver des candidats qui n'ont pas suivi du tout l'enseignement mathématique. Ça fait poser problème. Donc, on prendra en priorité les étudiants qui ont suivi la spécialité mathématiques et informatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas les autres, hein, mais on prendra ceux-là en priorité. Et concernant les bacs technologiques, apparemment, les informations qui ont circulé comme quoi on prendrait davantage de bacs technologiques, a priori, non, les taux vont rester stables. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne veut pas prendre plus de bacs technologiques parce qu'en pratique, on s'aperçoit qu'il y a un taux d'échec plus important parmi les candidats qu'on recrute. Et notre but, ce n'est pas de recruter des personnes pour qu'ils se retrouvent à l'échec. Eh bien, en attendant, merci, hein, puisque tu vas connecter et terminer le live. Merci à tous d'être, je ne sais pas combien d'étudiants étaient là derrière à nous écouter. C'est ça, on navigue à vue. Merci en tous les cas. Oui, merci.
Merci d'avoir Au revoir. Et merci pour vos questions. Au revoir. Au revoir.